Bonjour à tous, et bien on va commencer. Visiblement la visio a commencé, donc on est officiellement retransmis. Donc bienvenue, on est super heureux que vous soyez là aujourd'hui pour l'événement Le bilan carbone fait sa rentrée. Donc on est aujourd'hui des membres de l'association Bilan Carbone avec Anthony, Joariatou et Teddy. Donc l'association Bilan Carbone, c'est une association qui a développé et qui diffuse la méthodologie Bilan Carbone et aussi qui aide en fait les acteurs à faire leur transition bas carbone. Et Carla et moi, donc je m'appelle Gaëlle, on est des membres de l'association Avenir Climatique, qui est une association qui fait de la vulgarisation aux enjeux de l'énergie et du climat à des publics assez divers, mais notamment aux jeunes de la primaire au lycée avec le projet Éduclimat. Donc avant de commencer, on veut remercier quelques personnes et partenaires sans lesquels le projet établissement bas carbone n'aurait pas pu exister dans sa forme actuelle. Donc merci à l'ADEME qui nous soutient, à la Ville de Paris et à l'Académie du Climat qui nous permettent d'avoir ces locaux aujourd'hui, et à tous nos partenaires en fait, qui ont participé au comité d'expertise qui nous ont permis en fait, de faire des retours sur l'avancée du projet et nous donner des pistes pour son évolution. Donc aujourd'hui, on va commencer en fait par expliquer donc qu'est-ce que le fameux projet établissement bas carbone. Donc je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais donc on va réexpliquer son principe. On va avoir en fait aussi des témoignages de plusieurs établissements qui ont participé l'année dernière au projet sur comment ça s'est passé pour eux et ce qu'ils ont appris. Et donc faire un bilan de l'expérimentation qui s'est passée sur l'année 2020-2021 l'année dernière, où on avait en fait quelques établissements pilotes qui ont participé. Puis on va remettre les attestations de participation à l'expérimentation de l'année dernière. Et enfin, on va finir sur pourquoi rejoindre le projet établissement bas carbone cette année, pourquoi y participer et répondre à toutes vos questions si vous en avez. Bonjour à tous, je m'appelle Teddy Courteau, je travaille à l'association Bilan Carbone et cette année je serai votre référent PEPC en remplacement de Joariatou qui continue de travailler avec moi. Mais à l'avenir, ce sera moi. Donc aujourd'hui, pour peut-être que chacun puisse savoir qui est qui et peut-être s'identifier pour ensuite mieux communiquer au cours de l'année, j'aimerais bien peut-être par main levée vous identifier, peut-être déjà pour commencer, qui sont les établissements qui ont participé l'année dernière. Très bien, c'est la majorité d'aujourd'hui. Et qui sont les nouveaux établissements qui seraient intéressés par vous trois et vous quatre, pardon. Et peut-être en ligne aussi, Anthony, s'il y a d'autres établissements qui se manifestent, qui... Tu me passes, très bien. Donc ensuite, qu'est-ce que le PEBC? Tout simplement, le PEBC, ça consiste à faire le bilan carbone de son établissement. Et nous, l'association Bilan Carbone est porteuse de la méthode et l'outil Bilan Carbone. Et c'est une méthode, une méthodologie Bilan Carbone qu'on veut adapter à l'échelle d'un établissement scolaire. Donc le but est de faire le bilan carbone dans l'établissement, d'identifier les postes, les sources d'émissions de gaz à effet de serre des établissements. Et ça passe dans un premier temps par la sensibilisation des élèves, mais aussi du corps enseignant, et pour leur permettre de comprendre ce qu'est le changement climatique, et quels sont les impacts d'un établissement sur le climat, sur l'environnement de façon générale. Merci. Et donc c'est pour ça que c'est un projet qu'on veut vraiment fédérateur et inclusif, qui inclut les élèves évidemment, les profs évidemment, mais aussi tout le personnel administratif, comme les personnels de restauration, les chefs d'établissement, les gestionnaires, les CPE, tout le monde, puisque tout le monde sera au cours de l'année amené à participer au projet. Donc le projet se comporte en 5 phases. Au cours de l'année, il démarre d'octobre à juin. C'est comme ça que ça s'est passé en tout cas l'année dernière, durant notre phase d'expérimentation. Pardon. La première phase est celle qui a commencé aujourd'hui un petit peu, et même au printemps dernier, en vous sensibilisant au projet d'établissement bas carbone. La seconde est celle où les établissements, les enseignants en tout cas, où les enseignants restitueront le contenu PEBC à leurs élèves.
La troisième est la phase la plus longue peut-être du PEBC, puisqu'il s'agit de collecter les données auprès du personnel de l'établissement, éventuellement si les données ne sont pas disponibles auprès parfois de la mairie, mais ça c'est des cas particuliers. La quatrième et avant-dernière phase est celle de l'interprétation de ces résultats, comment identifier les sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'établissement et comment définir des plans d'action par rapport à ces émissions. Et donc c'est là où ça peut être le plus interactif, puisque les élèves peuvent par exemple se regrouper en sous-ateliers, en sous-groupes, et ensuite définir un plan d'action et éventuellement, idéalement, si le temps le permet, mettre en œuvre ces actions tout simplement. Et enfin, la dernière phase qui a lieu au mois de juin est tout simplement de restituer toutes les actions menées depuis septembre. C'est là où il faut partager tout le travail qui a été fait, le restituer au sein d'établissement, mais aussi au sein des familles, pourquoi pas. Et nous, on sera présents pour venir vous voir et voir quels sont les travaux qui ont été réalisés. Donc, je vous propose maintenant, pour tester un peu la température de la salle et aussi pour les gens qui sont en ligne, de répondre à 3-4 questions sur le changement climatique qui sont vraiment très générales et très faciles normalement. Donc, je vous demanderai dans la salle par main levée peut-être de répondre et ensuite je vous donnerai les réponses. Et aussi en ligne, si vous pouvez indiquer vos réponses, qu'on communiquera ici aussi en indiquant la lettre de la réponse par exemple. Donc la première question, selon vous, quelle est la principale cause du changement climatique? Est-ce que c'est A, l'effondrement de la biodiversité, B, l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, C, la hausse du niveau des océans, ou D, la hausse globale des températures? Donc qui pense que c'est A? Qui pense que c'est B? Il y a un grand nombre de mains levées dans la salle. Qui pense que c'est C? Qui pense que c'est D? Est-ce qu'en ligne, Anthony, on a des réponses? Non, pas encore. Effectivement, c'est B, puisque c'est B est la seule cause, dans les 4 éléments listés, la seule cause du changement climatique. Les autres, ce sont tout simplement des conséquences du changement climatique. Donc, la deuxième question, quel est selon vous le gaz à effet de serre qui est le plus présent dans l'atmosphère? Est-ce que c'est A, la vapeur d'eau, B, le CO2, le dioxyde de carbone, C, le méthane, ou D, le protoxyde d'azote? Qui pense que c'est A? Qui pense que c'est B? Il y a des mains levées. Qui pense que c'est C? Et qui pense que c'est D? Est-ce qu'en ligne il y a des réponses? Pas encore. B. Et c'est A. Je vais vous piéger sur sa question, parce que la vapeur d'eau est en fait un gaz à effet de serre, mais un gaz à effet de serre naturel qui, pour sa grande majorité, n'est pas issu d'activité humaine, alors que les 3 autres, si, en tout cas dans leur grande majorité. S'il te plaît, je vais à tout. Merci. Et donc, effectivement, on peut expliquer, et aussi en élément de ça, je voulais expliquer qu'on rapporte tout au CO2, puisque le CO2, même s'il n'est pas majoritaire dans l'atmosphère, est celui qui contribue à hauteur de 65% de l'effet de serre global. Le méthane, qui est issu de l'élevage bovin de façon générale, ou le protoxyde d'azote, sont encore plus responsables que le CO2, du gaz à effet de réchauffement climatique, pardon, mais ils sont en quantité bien moindre. Donc, troisième question, quel est le secteur d'activité qui émet le plus de gaz à effet de serre selon vous? Est-ce que c'est l'industrie? Est-ce que c'est l'agriculture, les transports ou les technologies numériques? Donc, qui pense que c'est A? Une main, deux, trois mains levées. Qui pense que c'est B? Trois mains levées aussi. Qui pense que c'est C? C'est la majorité de la salle. Et qui pense que c'est D? Une main levée là. La réponse en ligne B, très bien, merci. Alors c'est la réponse C, ce sont les transports qui représentent presque un tiers des gaz à effet de serre au niveau mondial. Les deux autres, l'industrie et l'agriculture, suivent de près, et notamment dans l'agriculture, c'est plus de la moitié due à l'élevage. Et je voulais aussi mentionner les technologies numériques, si tu peux faire avant ça.
dans le sens où c'est seulement 4%, mais c'est un secteur qui, chaque année, progresse énormément, qui est responsable de plus en plus des émissions de gaz à effet de serre, notamment par le streaming sur les réseaux sociaux, ou par le stockage ou les transmissions de données. Donc on est tous concernés à ce niveau-là, et c'est un petit message que je voulais passer aujourd'hui. Et enfin, la dernière question, quel est le moyen de transport qui, selon vous, est moins polluant pour se rendre à l'école? Est-ce que c'est le bus, à pied? Très bien, il y a pas mal de mains levées. Le vélo? Yep. Il y a une main à moitié levée. Et l'avion? Donc, qui pense que donc, tout le monde a déjà répondu en ligne. Personne, est-ce qu'il y a des gens qui ont en ligne? Donc les réponses sont, A et C, mais surtout A bien sûr, puisque le vélo, si on, il faut dans ce cas-là pas prendre en compte sa fabrication et son recyclage, donc c'est la vraie bonne réponse, c'est la réponse C à pied, c'est la réponse B. C'est passé. Ensuite, je vous propose maintenant, ce quiz est terminé, je vous propose de passer à une autre séquence qui est celle de vos témoignages à vous, de nos établissements pilotes. Et en l'occurrence, de deux établissements qui sont venus aujourd'hui physiquement se déplacer. Donc, on est très content de les accueillir. Ces établissements pilotes, il y a déjà le collège Ferdinand Buisson de Juvisy-sur-Orge. Il y a aussi le collège Louis Pasteur de Gennevilliers, je crois. Le collège Madame de Sévigné de Moron, en Bretagne, qui n'est pas présent mais qui doit nous regarder certainement. Le lycée Hélène Boucher qui est aussi présent de Paris et le collège Pierre Corneille, le lycée Pierre Corneille pardon, de la Seyne-Saint-Cloud. Donc en premier, je voudrais vous demander si vous voulez bien l'établissement Ferdinand Buisson de tous venir ensemble ici, si ça ne vous dérange pas, vous levez peut-être, mais comme ça à distance il vous voit, si vous vous mettez là. Peut-être de chaque côté de l'écran que vous mettre, ce serait parfait. Qui est-ce qui va commencer parmi vous? Je vous passe le micro et qui est-ce? Très bien. Alors on a juste pour précision, on pensait peut-être 10. 15 minutes au maximum, si vous avez toute l'énergie pour garder ce temps, ce sera super, et on compte sur vous, donc c'est à vous. Donc alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on voudrait vous présenter le projet qu'on a fait l'année dernière, donc le projet établissement de la carbone, et comment nous avons procédé. Donc alors, tout d'abord, nous avons commencé... par faire des cours en distanciel parce qu'on ne pouvait pas faire en présentiel avec Madame Aimée, et du coup bah, ça nous a sensibilisé sur l'énergie, les ressources, les choses qui peuvent être préservées, ces choses-là. Et après, bah, en décembre, on a pu reprendre en présentiel et on a fait des exercices, des ateliers sur la fresque du Puma. Voilà. Et après, on devait faire un calculateur. Et du coup, bah, on s'est mis en petit groupe de 4-5, donc on a appelé des pôles pour aller plus vite et que chacun ait une action précise. Donc alors, les pôles, il y avait énergie, restauration, immobilisation, informatique et fourniture. Nous ne pourrions pas nous permettre de déranger l'administration pour chacune de nos informations recherchées. Alors nous avons élaboré des questionnaires en utilisant des pads qui nous ont permis de communiquer en distance. Puis quand les questionnaires ont été terminés, nous avons eu un très long rendez-vous de 2 heures avec M. Baratti, le chef de l'établissement, et Mme Delacrosse, la gestionnaire. Ensuite, nous avons complété le calculateur. Comme à la fin du rendez-vous, on n'avait pas eu toutes les informations, il a fallu qu'on les trouve par nous-mêmes, par exemple allant compter les chaises et les tables partout, ou en envoyant des mails aux professeurs pour connaître le matériel,
ou bien en allant chercher des factures. Pour le pôle 3, par exemple, on a dû faire plusieurs questionnaires sur Pronote. Ce pôle, c'était les déplacements. Ensuite, une fois le bilan carbone obtenu, nous sommes allés au lycée de la ville pour présenter notre projet et nos engagements. Donc on était très stressés parce que c'était un peu la première fois qu'on parlait devant autant de personnes et très impressionnés. Mais au final, ils ont été assez sages et on était très fiers de l'avoir fait. Donc enfin, nous avons fait des visios et des cours pour mettre en place un plan d'action à utiliser pour les éco-délégués de l'année d'après. Pour finir, nous avons une nouvelle fois parlé de notre projet lors d'une commission E3D où il y avait des professeurs, toute l'administration, des parents élus et une membre de l'association du SOUD. Nous avons appris beaucoup de choses durant le bilan carbone, comme par exemple travailler avec des gens avec qui nous n'avions pas l'habitude, comme des troisièmes, ou bien s'exprimer en public et par exemple utiliser le calculateur ou bien des moyens de communication comme Slack. Nous avons beaucoup aimé travailler avec le calculateur. Tout devenait concret. On sentait que la finalité du bilan carbone se rapprochait. Nous nous sommes aussi aperçus que chaque geste ou chaque objet avait un impact sur la planète. Rien n'était anodin. Il y aurait eu des améliorations possibles, comme par exemple créer des canaux de discussion Slack pour chaque pôle, ce qui a été fait, mais trop tard. Avant, nous avions un pad pour chacun des pôles pour mettre au clair nos idées pour les questionnaires, mais dû à l'absence de notification, cela a été dur de tout le monde être en même temps et de pouvoir y aller souvent. De plus, les périodes de confinement ne nous ont pas facilité la tâche, car pendant les visioconférences, nous avons eu plusieurs problèmes de connexion et les messages envoyés par Madame Allais sur l'ENT étaient... Nous n'avons pas eu une réactivité assez présente parce qu'il n'y avait pas de notification justement sur l'ENT. Pour les réunions avec l'administration, c'était aussi compliqué de trouver trouver les bons horaires pour que ça convienne à tout le monde, car dans le même pôle, il y avait des classes et des niveaux différents. Après le bilan carbone, nous avons plusieurs objectifs à atteindre pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc nous pouvons créer une friperie éphémère qui permettrait aux élèves de se munir en pull pour pouvoir réduire le chauffage du collège, refaire un bilan carbone tous les ans, réduire le gaspillage alimentaire à la cantine et justement sensibiliser les gens à être plus écolo. Quand on s'est mis à rechercher les données, on s'est rendu compte que ça allait avoir une importance très importante pour l'année d'après, pour les autres éco-délégués, et que ça allait beaucoup les aider pour avancer. On s'est rendu compte que ça devenait concret, et maintenant c'était assez long et dur, mais on était fiers et ça a servi à quelque chose, donc pour faire évoluer le collège et tout. Non, on a fini. Référente au collège, donc j'ai eu la chance d'avoir pu avoir une IMP, une heure d'indemnité mission particulière financée, donc ça c'est
assez important d'être reconnu aussi à ce niveau-là. Et j'avais pu le faire puisque j'avais déjà mené des actions sur les E3D dans le collège, donc j'avais pu avoir cette TNP en juin pour commencer le projet en septembre. Donc c'était plutôt confortable. Ça a été compliqué au début parce que, souvenez-vous, septembre à décembre, c'était encore un peu, c'était pas le confinement, mais il fallait quand même pas que les niveaux se mélangent. Et donc, les éco-délégués qui vont de la 6e à la 3e, il fallait pas qu'ils se voient physiquement, donc il fallait faire des cours à distance. Donc, ça a été toute la partie pédagogique avec les cours d'éducation climat et peut-être avenir climatique. Enfin, je sais pas si c'est juste éducation climat les cours, mais. Bon, en tout cas, elle est super courte et heureusement qu'ils étaient là parce que du coup, ça nous assure quand même une bonne formation déjà de base. Et puis donc voilà, jusqu'en décembre, à partir de décembre, on a pu revenir en présentiel parce que il y a eu la fresque du climat et donc là, c'était obligé. Et voilà, juste pour revenir sur la période de confinement. Enfin, de confinement, non, mais de cours à distance, c'était compliqué parce que c'était pas comme le confinement de l'année d'avant où ils étaient disponibles chez eux toute la semaine. Là, ils avaient des cours, donc il fallait conjuguer avec leurs cours, et donc c'était en dehors des cours. Voilà, ce qui ne vous arrivera pas a priori, puisque on revient à la normale, j'espère, cette année. Mais voilà, c'était compliqué parce que du coup, c'était le week-end, c'était le soir, c'était les jours fériés, c'était etc. Voilà. Après décembre, on est arrivé et là c'était du concret puisqu'il y a eu la présentation du calculateur, il y a eu la confection des questionnaires à destination donc, de l'administration et puis des professeurs et des élèves puisque pour le pôle déplacement, il fallait interroger tout ce monde-là. Donc ça a été du boulot, ils se sont mis par pôle, ils ont travaillé par 4-5 comme ils l'ont dit. Et il a fallu, en fait, l'heure qu'on avait en présentiel ne suffisait pas, donc il a fallu qu'on communique quand même à distance. Et c'est là où ça a été des fois un peu laborieux parce qu'effectivement, il n'y a pas de notification sur le NT, etc. Donc voilà, quand on a eu Slack, ça a été plus facile parce qu'on a fait des pôles, des pôles de discussion sur Slack on était plus à l'aise pour discuter, pas tout le temps évidemment, mais pour être un peu plus réactif sur certaines choses. Voilà, moi je suis super contente d'avoir fait ce projet avec eux. Là, ils voient un véritable intérêt à mettre en place un plan d'action. C'est pas un plan d'action qui arrive à partir de nulle part, c'est un plan d'action qui se base sur vraiment un plan de réduction des gaz à effet de serre. Et donc c'est vraiment du concret. Ils ont vu l'impact de tout ce qui nous entoure sur les émissions et du coup, le plan d'action et va être bienvenu et je pense que ça a aussi créé des envies. Je pense que je vais avoir beaucoup plus d'éco-délégués cette année que l'année dernière, j'en avais déjà 15 et comme ça parle, je crois que ça va, cette année on sera peut-être le double et puis cette année ça va être la suite. On va continuer ce bilan carbone, mais ça va être plus rapide, parce que ça y est, on sait le faire, et donc les questionnaires, ils sont faits, et même l'administration s'attend à ces questions-là, parce que c'est vrai que pour eux, c'était aussi très étonnant de voir toutes ces questions et ce détail de questions. Et si bien que, voilà, la réunion, comme ils ont dit, ça a duré 2 heures, mais c'était laborieux, parce que ça devait durer, je sais pas, 45 minutes, mais en fait, ça a duré 2 heures, parce qu'ils ne s'attendaient pas à toutes ces questions générées par le bilan carbone. Mais du coup, voilà, c'est vraiment du sérieux, c'est du concret, c'est comme ça. Moi, je pense que ce projet établissement bas carbone est un super tremplin pour établir un plan d'action dans un collège. Merci Sophie, merci au Collège Faire d'une Ambition, merci à Boudis pour rejoindre. Place si vous voulez. Maintenant, on voudra passer au cours de témoignage du lycée Hélène Bouchet. Alors, j'ai cru que Madame Sophie Le Carme est présente aujourd'hui, si peut-être elle veut. Bien sûr, tout le lycée Hélène Bouchet, si vous voulez venir devant, c'est possible.
et on essaie de mettre en place des projets écologiques pour rendre la vie au lycée plus durable et meilleure pour tout le monde. Et de calculer le bilan carbone du lycée, d'établir ce bilan, bah, c'est pratique en soi pour nous, pour mettre en place nos projets les plus compliqués. On aimerait par exemple faire un garage à vélo, on aimerait végétaliser entièrement le lycée, surtout la cour. Et nos chiffres, c'est vraiment grand, hein, donc c'est un peu compliqué, mais du coup, on pourrait, avec nos données, nos chiffres, appuyer nos envies par rapport à la mairie ou à la région, qui jusque-là était toujours réticent. Voilà. Et après, bon, ça a été un peu complexe à mettre en place. Du coup, nous, on n'a pas du tout fait, enfin, quasiment pas fait avec les éco-délégués, mais beaucoup plus avec Climaction et CT. Donc voilà, niveau organisation, enfin, on ne s'attendait pas à tomber sur des grands refus comme ça. Et ça a été un peu difficile avec notre administration, mais c'est bien parce que ça nous a aussi appris à aller plus loin, en fait, que le chemin tout tracé d'aller demander à l'administration et qu'ils nous donnent les chiffres. Ça nous a permis d'aller chercher un peu plus loin. Et on s'est vraiment décarcassé pour avoir ces chiffres. Et du coup, à la fin, on était plutôt heureux de les avoir. On s'est vraiment donné pour ça. Et ce qui est cool, c'est que justement, maintenant, avec ces chiffres, par exemple, nous, dans notre lycée, c'est principalement la restauration. C'est 50% de nos émissions de CO2. Et on s'y attendait pas du tout. C'est bien parce que ça nous permet de nous rendre compte de ça. Et justement, comme disait Aya, avec nos chiffres maintenant, ça peut nous aider du coup à essayer de convaincre plus l'administration, enfin, du lycée, que ce soit la région, la mairie du 20e, secondaire 20e. Et ça nous permet du coup d'avoir une base scientifique, si on peut dire, pour nos projets. Et du coup, ça nous a vachement aidé pour ça. Alors, je ne sais pas trop par où commencer, peut-être sur l'aspect pratique du recueil de données et de regroupement des élèves. C'est vrai que nous, on était en demi-jauge une grande partie de l'année, donc ça a été compliqué de réunir les élèves, de faire des réunions, de les avoir. Heureusement qu'il y en avait quelques-uns qui étaient vraiment très très motivés, qui sont restés motivés toute l'année pour essayer de tirer les autres. Et c'est vrai qu'on a le sentiment quand même que la motivation s'est un peu étiolée au fil de l'année. Je pense énormément à cause de cette histoire de demi-jauge. On n'a pas non plus pu faire un vrai retour à la fin de l'année. Les élèves ont fait un peu ce qu'ils ont pu avec un affichage pour expliquer. Ça a manqué aussi ça, parce que début juin, nous le 10 juin, c'était les vacances pour les lycéens. On ne les voyait plus, ils venaient plus au lycée. Donc ça a été un petit peu compliqué. Donc on compte beaucoup sur cette année quand même, et notamment sur ce début d'année pour remotiver les troupes. Et aussi parce que justement, ça va être du concret, qu'à partir des chiffres qu'on a, on va pouvoir entrer dans le concret. Et là, je pense que c'est vraiment ce que tout le monde attend. Après, il y a aussi le poste énergie, qui est un gros poste chez nous parce c'est un vieux bâtiment et qu'on a des vieilles fenêtres. On a une cour qui est battue qui est construite sur du gruyère, en fait. Hein. C'est des. En dessous, il n'y a rien. Il y a un projet de réfection de la cour, donc je pense qu'on va pouvoir rentrer avec les. Alors, avec la. Toujours pareil, hein, dans les établissements scolaires, la région, la mairie, le département, etc. Ça va être du long terme, du moyen ou du long terme, mais on espère être initiateur de ça et pouvoir construire de nouveaux projets de cours autour du bilan carbone, justement. Et comme elle le disait très justement, les filles, ça nous donne des données objectives à opposer à la région et aux différentes personnes qui nous disent que ça coûte cher. Ça coûte cher, mais ça permet aussi de faire des économies sur le long terme. Donc voilà, on a vraiment on a eu des difficultés pratiques et de mon côté en tout cas, moi je compte beaucoup sur cette année pour être dans le concret, pour pouvoir agir et on a nos élèves qui ont décidé, mais je compte aussi beaucoup sur l'association et sur les experts entre guillemets que vous êtes pour venir nous aider et à concrétiser leurs idées et à éventuellement d'avoir des. Non, je n'ai rien à ajouter, sinon que c'est un travail quand même assez conséquent. Donc il faut quand même être assez disponible. Enfin voilà, donc c'est ce qui nous a peut-être manqué à nous. C'est vrai que le lycée, les élèves, les enseignants aussi, beaucoup de travail. Enfin, ça vaut quand même le coup de se lancer dans ce genre de projet, parce qu'effectivement, ça peut déboucher sur du concret.
Et ça peut sensibiliser beaucoup plus de personnes que les personnes qui ont été impliquées dans un premier temps. Donc c'est une première étape, c'est très très positif. Et puis on est très impatients de continuer en tout cas. Juste pour rajouter quelque chose, nous on était trois profs sur le projet et avec notre collègue qui est prof de SVT, Madame Maître, qui a elle fait les cours, la partie théorique, qui a eu deux cours. Un seul. Heureusement qu'elle était là, enfin, pour ma part. Hein. Je pense que le côté scientifique, en tout cas au lycée, peut-être, parce que du coup les données sont un peu plus complexes, d'avoir une enseignante scientifique, c'était plutôt bien. Pour établir le bilan carbone du lycée, c'est pareil que pour tous les collégiens, on a commencé par faire une fresque du climat avec l'association. Et d'ailleurs, ce qu'on a fait, nous, dans notre lycée, c'est qu'on a été formés à pouvoir la refaire faire, qu'on l'a fait aux collégiens de notre lycée, parce qu'en fait, dans notre lycée, il y a un collège, et on aimerait bien refaire encore une fois cette fresque du climat avec les nouveaux secondes, par exemple, ou encore les collégiens. Ensuite, on a quand même réussi à mettre en place quelques projets. Déjà, on a commencé à végétaliser notre lycée sur la terrasse, on a mis des bacs avec des plantes, et puis on s'en occupe. J'espère que personne de vous ne fume, mais dans notre lycée, on a installé des cendriers sondage. En gros, c'est un cendrier. Il y a une question, vous mettez votre mégot, vous votez avec votre mégot. Donc ces mégots seront envoyés à Green Minds qui vont les recycler. Donc voilà, je vous conseille pas de fumer. Voilà. J'ai pas grand chose à ajouter, mais voilà, c'était plutôt bien organisé en tout cas du moment par l'association qui nous a vachement aidés. C'était satisfaisant de chercher les données et tout. Et c'est vrai que les deux plus gros postes qui vraiment avaient un gros impact, c'était la restauration et l'énergie. Et du coup, c'est sur ça qu'on va baser nos efforts. Voilà, c'est ça. Voilà, merci de nous avoir écoutés. On a encore, si vous avez fait un petit film. Vous avez fait un petit film, je crois, 10 minutes. On peut vous montrer si vous voulez. Merci à vous. Petit film d'une minute qui, par rapport à la fresque du climat que le lycée Hélène Boucher a réalisé, on va vous diffuser. Voilà, encore merci au lycée Hélène Boucher pour votre présentation. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Joyetou pour les témoignages suivants. Je vais laisser la parole tout simplement. Merci à toi. Merci Teddy.
Comme vous avez pu le voir, on a eu deux établissements qui ont témoigné, donc ce sont des établissements franciliens, mais également dans l'établissement pilote, on a eu un établissement en Bretagne, plus précisément de Moron. Donc bien entendu, ils n'ont pas pu se déplacer pour venir assister à l'expérimentation, mais je vais me charger de vous retransmettre le message des enseignants et des élèves sur leur retour sur cette expérimentation. Donc, est-ce que je peux avoir la slide, sinon, s'il te plaît? Merci. Donc, là, c'est pour expliquer comment est-ce qu'ils se sont organisés. Donc, à peu près comme tous les établissements, ils ont trouvé un créneau sur le temps de la pause déjeuner, à peu près une heure par semaine ou une fois toutes les deux semaines, en fonction de leur emploi du temps. C'est un collège, donc ils ont bien entendu réalisé les 5 séances. Souvent pour les lycéens, il y a des notions qui sont déjà connues, notamment sur l'énergie, donc ça peut être utile de raccourcir pour pouvoir allouer plus de temps sur la collecte de données ou sur le plan d'action. Donc ils ont réussi à faire les 5 séances en 7 heures. Et ensuite, ils se sont attaqués à la phase maîtresse du projet, c'est-à-dire la phase de collecte de données. Donc ils se sont également réunis par petits groupes pour pouvoir travailler sur les 5 thématiques, donc l'énergie, la restauration, le déplacement, les immobilisations et les fournitures. Voilà quelques mots des retours des élèves, donc je vais vous lire concrètement si vous pouvez voir aussi ce qu'ils ont pensé de ce projet. Donc pour eux, c'était un sentiment d'avoir appris, ils ont eu le sentiment d'avoir appris de nouvelles choses qui leur serviront plus tard. C'est aussi un des objectifs de PEBC, au-delà de réaliser le projet concrètement pour l'établissement, c'est aussi des compétences, les connaissances que les élèves acquièrent à travers le projet. Ils sont contents d'avoir travaillé avec les personnels du collège, donc ça c'est ce qui a été souligné aussi par Ferdinand Buisson et Hélène Boucher, c'est la possibilité d'interagir avec des personnes pour qui habituellement on n'a pas vraiment de contact avec eux. Donc là, le fait de s'intéresser à leur métier, à l'impact de leur activité au niveau de l'établissement, ça permet de créer en tout cas des liens dynamiques entre les élèves et le personnel. Et ils ont également apprécié la fresque, donc je pense que tous les établissements ont réalisé la fresque et ont apprécié la fresque. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'on a développé un petit peu plus l'aspect ludique et exercice pratique dans la nouvelle version de PEBC 2021-2022. Une remarque pas des moindres, qui est quand même assez intéressante, c'est que certaines tâches ont pu apparaître longues et fastidieuses, compter les livres et sonder les camarades pour les déplacements par exemple, puisque ce n'est pas une donnée qu'on collecte brute, enfin, c'est à nous d'aller la chercher à travers un questionnaire, et puis ça nécessite des traitements aussi pour pouvoir avoir l'équivalent sur un an. Donc c'est des types de données un petit peu particuliers à collecter. Et enfin, le retour des professeurs. Donc, au niveau de cet établissement, il y avait 3 adultes, une assistante d'éducation, une professeure d'allemand et une professeure de physique. Donc pareil, c'était 3 pour encadrer, donc un petit peu plus à l'aise au niveau des élèves. Donc ils ont inscrit PEBC dans un des projets du club environnement, de la même manière qu'on avait pour Hélène Boucher et le Climat Action, eux, ils avaient un club environnement, donc ils ont mis à profit pour le projet d'établissement bas carbone. Donc ils avaient un créneau dédié pour ce club bien avant le début du projet, donc ils ont alloué du temps tous les mardis de 13h à 14h pour travailler sur le projet d'établissement bas carbone. Et enfin, les élèves ont bien adhéré au projet, c'est des notions qu'ils ont abordées, donc, quelquefois un peu complexes, notamment sur la partie comptabilité carbone, j'imagine, pour des sixièmes, parce qu'il y avait essentiellement des sixièmes, sachant que je crois que l'énergie arrive un peu plus tard dans le programme du collège. Et enfin, encore une fois, un bon retour sur la fresque et de la part des élèves et de la part des enseignants. Il y a une slide qui a sauté, je crois. Voilà, donc ça c'est un bilan et ce qu'ils aimeraient aussi pour l'année prochaine. Donc pour l'équipe projet du collège Madame de Sévigné de Montrond, ils espèrent désormais aller plus loin et réfléchir ensemble à une nouvelle organisation qui permette d'associer le département du Morbihan à leur réflexion pour avoir des résultats concrets en termes de réduction de gaz à effet de serre. Donc tout en nous sentant un peu éloignés de Paris, perdu au milieu de la Bretagne et de la forêt de Brocéliande, nous sommes néanmoins ravis d'avoir pu nous joindre à la belle action de l'ABC et du climat et les remercions pour leur aide et leur accompagnement indispensable. Donc, la particularité de cet établissement, comme je vous le disais, c'est qu'ils étaient en Bretagne, mais finalement, il n'y a pas vraiment eu de différence avec les établissements franciliens dû au contexte sanitaire lié à la Covid-19, puisqu'on a tout fait en distance, donc ils ont pu
participer au webinaire également à distance. Et je dis ça peut-être pour les établissements qui nous écoutent à distance, parce qu'on a pas mal qui sont dans toutes les régions en France, y compris en Outre-mer. Donc voilà, le fait d'être à distance, on a quand même appris quelque chose. C'est vrai que lancer un projet établissement bas carbone dans un contexte sanitaire compliqué, ce n'était pas gagné d'avance. Mais néanmoins, on a bien vu, l'envie des élèves, l'engouement des établissements, la volonté des enseignants, des adultes à accompagner les élèves dans ce projet. Et on espère bien sûr que cette année, dans des conditions meilleures, on pourra déployer le projet à plus grande échelle. Donc je vais enchaîner avec le bilan de l'expérimentation 2020-2021. Donc ça concerne encore une fois toujours les 5 établissements pilotes qui nous ont accompagnés cette année. Donc on a eu 5 établissements pilotes, sachant que le projet établissement bas carbone est déployable à l'échelle du lycée ou du collège. Donc on voulait absolument avoir les deux types d'établissements pour vraiment tester les ressources auprès des élèves. Donc on a eu 3 collèges et 2 lycées. On a également eu en plus un collège qui a participé à un projet Erasmus+, donc c'est le collège Pierre de Nolac qui se situe à Versailles, mais qui a utilisé uniquement la partie calculateur parce que dans le cadre de la sensibilisation, ils étaient déjà engagés dans un projet Erasmus+. Donc au total, ce sont plus de 98 élèves, dont 37 éco-délégués, qui ont pu être sensibilisés via PEBC, en tout cas mettre la main à la pâte en testant le calculateur, et des enseignants de toutes disciplines, donc des enseignants de sciences, de lettres, de langues, des assistants d'éducation également, qui se sont impliqués dans le projet. Au final, on a quand même réussi à avoir 4 bilans carbone d'établissements exploitables, complets entre guillemets, et quelques établissements qui ont eu le temps d'initier des pistes d'action de réduction lors de leur dernière séance qui a eu lieu fin mai, début juin. Sachant que le projet se termine plutôt en mai, pour laisser le mois de juin sur le temps des révisions, des examens et de la clôture de l'établissement. Donc, comment s'est passé le projet? Donc ça, c'est une frise qui vous résume à peu près le déroulé et les différentes étapes qui ont lieu. Donc à partir du printemps 2020, on a commencé à communiquer avec les établissements, à échanger avec les enseignants et chefs d'établissement pour pouvoir mettre en place le projet dès le mois de septembre 2020, pardon. Ensuite, on a eu un peu de retard, donc pour ceux qui ont participé à la séance au webinaire de présentation, vous allez voir qu'il y a un décalage, bien entendu, qu'on a réajusté par rapport au Covid, au passage, à la phase de collecte de données qui a été allongée, et finalement, une finalisation des bilans plutôt vers mai-juin. Donc la partie restitution, c'était un petit peu la partie manquante qu'on espère cette année pouvoir mettre en place concrètement. Donc, comment est-ce que le projet a été organisé au sein des établissements? Donc là, je vous ai remis un petit tableau qui vous résume pour chaque établissement le nombre d'élèves impliqués et le nombre d'adultes encadrants. Donc, pour les Célène Boucher, ils vous ont présenté leur organisation, de même que pour le collège Ferdinand Buisson. Pour le collège Louis Pasteur, on avait une professeure de littérature qui a suivi les élèves. Pour le lycée Pierre Cornet, qui n'est pas présent aujourd'hui, une professeure d'SVT qui a suivi les élèves, et c'était uniquement des élèves de terminale, donc un groupe plutôt homogène. Un retour sur la collecte de données, donc on vous l'a cité, je pense, 3 fois comme étant la phase la plus longue du projet. Quelles sont les données à collecter? Donc d'une part, les données du poste énergie. Comment est-ce qu'on obtient ces données? À travers des factures, à travers des comptes rendus de maintenance, si c'est pour des usages énergétiques spécifiques comme pour la climatisation. Et qui sont les personnes ressources? Donc ça peut être l'intendant, un contact au niveau de la région. Ça a été le cas pour le lycée Hélène Boucher qui a sollicité un contact de la région pour obtenir les factures, puisque le lycée dépend de la région. Et au niveau du collège Ferdinand Buisson, on a le département de l'Essonne qui a mis en place un site pour pouvoir récupérer les factures des collèges. Pour la restauration, ça aussi c'est un poste un peu fastidieux, puisqu'il faut compter le nombre de repas servis, identifier quel type de repas, parce que c'est un repas végétarien, à dominante viande rouge ou à dominante viande blanche, sans compter les déchets, et enfin pouvoir identifier le nombre de repas total sur l'année. Parce que si vous calculez sur une semaine, il va falloir faire un petit calcul intermédiaire pour obtenir le total sur l'année. Et c'est également la même chose pour le déplacement. Donc il faut solliciter les élèves,
les professeurs, les agents techniques, pour voir quels moyens de transport est-ce qu'ils utilisent. Pour les élèves, il peut y avoir la problématique de est-ce que vous êtes demi-pensionnaire ou pas, est-ce que vous avez deux fois plus de trajet que quelqu'un qui est demi-pensionnaire. Donc tout ça, c'est à travers des sondages. Les fournitures, donc, comme l'a cité le collège Madame de Sévigné, il faut aller compter les livres, les tables, les chaises. Donc c'est aussi une donnée qu'il faut aller chercher directement, enfin du coup de manière très pratique, si on n'a pas de registre avec le nombre de tables et de bureaux dans l'établissement. Et enfin, la partie mobilisation. Donc c'est une notion un peu complexe. Donc je comprends déjà que c'est des questions récurrentes que nous avons au niveau de l'ABC pour les organisations, donc les entreprises. Donc j'imagine bien que pour les établissements scolaires, c'est pas une notion évidente à comprendre. Mais voilà, l'idée c'est de retenir qu'il faut aussi prendre en compte le bâtiment. Voilà, on a pris l'énergie, on a pris tous les postes, mais il faut aussi prendre en compte, intégrer dans le bilan la construction du bâtiment dans lequel les cours ont lieu. Et donc pour ça, différents types de personnes ressources. La mairie, par exemple, ça a été le cas du lycée Pierre Corneille qui s'est déplacé pour obtenir les plans. Ou alors, on peut faire un système B, calculer grosso modo avec de nombreux départs pour identifier, pour avoir la surface en mètres carrés et du coup pouvoir compter ce poste dans le bilan. Donc attention, néanmoins, c'est bien beau de récolter les données, mais encore faut-il avoir les bonnes unités pour que ça puisse coïncider avec les tableurs. Et du coup, voilà, donc pour l'énergie, par exemple, au niveau du collège Madame de Sévigné, ils ont obtenu parce qu'ils ont une chaudière au fioul, donc ils ont obtenu des données en litres qu'il fallait convertir du coup en kilowattheure pour pouvoir utiliser les facteurs d'émission du tableur. Et du coup, voilà, là, on a tourné en rouge la restauration de déplacement parce que c'est les postes pour lesquels on a toujours et absolument besoin d'avoir un calcul intermédiaire pour avoir les équivalents sur l'année. Enfin, pour les résultats, donc, on va afficher les cartes en fait. Donc là, on vous a remis les profils d'émission des quatre établissements qui ont réussi à aller jusqu'au bout pour obtenir le bilan. Donc en haut, à gauche, vous avez le lycée Hélène Boucher. Donc comme on vous l'a dit, c'est la restauration qui est le poste le plus important. Même chose pour le lycée Pierre Corneille et également pareil pour le collège Ferdinand Buisson. Donc de manière générale, pour les établissements au milieu urbain, la restauration est un énorme poids. Pour le collège Madame de Sévigné, c'est un poste important mais qui n'arrive pas en première position. Au contraire, on retrouve plutôt l'énergie et le déplacement. Donc l'énergie parce que c'était le seul des quatre établissements à avoir une chaudière au fioul. Donc ça relève tout de suite le poste. Et enfin, en termes de déplacement, parce que c'est un collège qui se trouve en milieu rural, donc l'usage de la voiture est beaucoup plus important qu'en milieu urbain. On affiche ici les quatre bilans. On a peut-être tout de suite dans l'idée de comparer, mais on ne peut pas les comparer. Ils ne sont pas sur le même périmètre. On n'a pas le même nombre d'élèves dans les établissements. Vous pouvez avoir un lycée comme Pierre Corneille avec 1500 personnes ou Hélène Boucher avec plus de 2000 personnes versus le collège Madame de Sévigné avec 184 élèves, donc c'est pas du tout comparable. Mais l'idée c'est de pouvoir identifier des choses communes, donc on peut avoir des pistes communes pour les établissements en milieu urbain. Remarquez que le déplacement va être difficilement compréhensible pour un établissement en milieu rural, mais comme vous l'expliquez les élèves, l'objectif c'est vraiment d'identifier les postes pour mettre en place des plans d'action pour les réduire. Donc voilà. Et enfin, c'est bien beau d'avoir le bilan, mais encore faut-il l'analyser et réfléchir, créer, identifier, imaginer peut-être des plans d'action pour réduire ces postes. Donc j'ai repris ici rapidement quelques suggestions d'actions de réduction qui ont été proposées par les établissements qui ont pu avoir une séance de réflexion en fin d'année. Donc le remplacement de la chaudière au fioul, spécifiquement pour le collège Madame de Sévigné. Diminuer le chauffage de 1 à 2 degrés. Et mettre en place une friperie, donc ça c'était l'action proposée par le collège Ferdinand Buisson. Mettre en place une journée de la taupe, c'est également une action proposée par le collège Ferdinand Buisson. Et enfin, mettre en place un compost pour limiter les émissions des déchets alimentaires, sachant que cette année, la plupart des établissements n'ont pas pu calculer la part déchets de la restauration, mais que c'est une piste d'amélioration qu'ils ont identifiée pour l'année 2021-2022.
Donc, je vais laisser la place à Eddy Climat, donc Gaëlle et Carla, pour la remise des attestations. Camélia Kéchela. Guénaël Manceau. Fazila Gavouroudi. Noël Amazou. Lilia Ksourou. Charlotte Lelouch. Tania Charles. Valentine Pernaud. Anissa Bouadi, Zachary Pauli, Nathan Bordier, il y a aussi une attestation pour, de participation pour l'établissement en général. Ben, merci encore énormément à vous d'avoir participé. Rappelez le lycée Hélène Boucher pour la remise des attestations. Ça, c'est le certificat de participation de, pour l'établissement. Et ensuite... Il y a également le lycée Pierre Corneille de la Celle-Saint-Cloud qui a participé cette année, mais ils n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui. Mais on peut quand même les applaudir. On appelle du coup les participants du collège Louis Pasteur de Gennevilliers. Félicitations également au collège Madame de Sévigné, donc de Moron, qui, comme on le disait, n'ont pas pu se déplacer car en Bretagne, mais on peut également les applaudir.
Donc bravo à tous, encore félicitations pour votre participation au projet. Une fois qu'on a vu un petit peu le bilan, bah, peut-être pourquoi se rejoindre PBC. Déjà merci à tous les établissements qui vont renouveler leur engagement dans le projet. Et du coup, quelques petites billes peut-être pour ceux qui hésiteraient encore. Donc vous avez vu qu'il y a un double objectif, un pour les élèves et également à l'échelle de l'établissement. Donc pour les élèves, ça permet bien entendu de les sensibiliser en tant que citoyens, pour répondre à leurs questions avec toutes les marches qu'on a eues sur le climat, les grèves, les grèves scolaires. Donc ça permet de répondre en fait aux interrogations des élèves tout simplement sur une base scientifique, concrète et pratique. Et c'est également le moyen de mener des actions concrètes pour transformer l'établissement. Donc on en a eu de nombreux exemples avec des actions de réduction sur la restauration ou sur la végétalisation de l'établissement. Donc ça c'est un très bon point. Et ça permet aussi de donner un peu de pouvoir entre guillemets aux élèves. Et à l'échelle de l'établissement, bah, ça permet d'être pionnier dans une démarche qui est quand même celle qu'on doit tous engager à l'échelle de la société dans un monde neutre en carbone. Et ça permet de sensibiliser toutes les parties prenantes, de favoriser des interactions entre les élèves et le personnel de l'établissement. Et dans moindre mesure, sachez que vos bilans peuvent aussi contribuer aux collectivités, puisqu'ils doivent calculer leur bilan carbone et avoir une idée de l'empreinte carbone de la compétence enseignement. Donc avec des bilans d'établissement, ça permet d'extrapoler les données à l'échelle du territoire pour avoir pouvoir identifier l'empreinte carbone de cette compétence. Et ça permet également de favoriser et de pousser aux actions, donc avec une preuve, entre guillemets une preuve, puisque vous avez le bilan avec les émissions et pouvoir montrer que certaines actions pourraient permettre de réduire des postes importants pour l'établissement. Je vais demander du coup, maintenant qu'on a entendu les établissements pilotes, de quand même écouter de manière très intéressante les nouveaux établissements qui ont découvert le projet établissement bas carbone, donc vous allez savoir comment, et qui sont plein d'emprunts pour se lancer dans le projet en 2021-2022. Donc je vais demander à Estelle Peña et sa collègue Solveig, excusez-moi, j'espère que j'ai pas écorché votre nom, qui représente le collège de Vieux-Chêne, de vous exprimer tout simplement leurs attentes vis-à-vis de PEBC et aussi leur découverte du projet. Donc, bonjour, moi je suis professeure de SVT au collège de Vieux-Chêne à Chessy. J'ai découvert le projet lors d'un stage en fait l'an dernier auquel je m'étais inscrite sur les enjeux contemporains. Et ces enjeux, il y avait évidemment des enjeux autour de la thématique de l'alimentation et aussi autour de la thématique du climat. Et c'est à travers cette thématique du climat qu'on a eu une conférence sur le réchauffement climatique, le bilan carbone, et que j'ai eu connaissance de ce projet qui était mené à l'état de projet pilote pour l'année 2020-2021 et qui allait être déployé de façon beaucoup plus générale cette année scolaire. Donc j'ai pris contact avec Lauréa Touche, j'ai envoyé un petit message en me disant « voilà, j'ai découvert ce projet, ça m'intéresse ». J'en avais parlé au préalable à ma chef d'établissement pour avoir son feu vert évidemment, voir si elle était intéressée par le projet, elle m'a dit « oui, il n'y a pas de souci, foncez ». Et donc on s'est fait un petit Teams, elle m'avait expliqué je croyais tout le projet en détail, j'ai trouvé ça vraiment extra, parce que je trouve que c'est vraiment un bon moyen de sensibiliser les élèves. On sait que le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui fait partie des enjeux essentiels de notre siècle. Donc, leur montrer que eux, à leur petite échelle, ils peuvent aussi être des acteurs du changement. Voilà. Au niveau ne serait-ce que d'un établissement scolaire, il y a des choses à faire pour faire évoluer les choses de façon positive. Donc, j'en ai parlé à ma collègue Solveig, à mon autre collègue aussi qui va être responsable des élèves du CBC cette année. Et de là, ça a fédéré tout un projet. On a fait un point pour les éco-délégués, on a notre salle pour les éco-délégués qui est prévue. J'ai été voir sur le site de l'ABC les anciennes données pour le projet PEBC, mais apparemment ça doit changer parce qu'il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas le calculateur, il n'y avait pas tout ça. Donc c'est vrai qu'on attend beaucoup aussi parce qu'on espère être bien accompagné parce qu'on s'aperçoit que c'est très très vaste comme projet, qu'on va avoir beaucoup beaucoup de boulot. On est quand même un gros collège, oui, on a quand même 600 élèves. Donc je pense qu'il y a pas mal de travail au niveau de la collecte à faire, mais on est motivés, les élèves sont motivés. Donc on espère arriver à un plan d'action à
la fin de juin 2022 et de mettre en place à compter de septembre 2022. L'objectif étant, on s'est donné pour objectif dans 2 ans de refaire un bilan carbone pour voir si on avait eu un impact positif. Vous voulez rajouter quelque chose? Bonjour à tous, donc, je suis Solveig Morty, je suis professeure documentaliste. Donc, c'est ma collègue Estelle Peña qui m'a parlé du projet PEBC qu'elle a essayé de monter. Il faut savoir que dans notre collège, donc, on a le projet éco-délégué qui va prendre toute son ampleur cette année, puisque l'année dernière, avec le contexte sanitaire, c'était un peu compliqué de mélanger les élèves. Et on va également monter le CVC, donc, au collège, le Conseil de vie collégienne. Et pour ça, donc, on a souhaité inclure pleinement le CDI. Donc, il y a une partie du CDI, une petite salle qui servait auparavant le bureau de la conseillère d'orientation qui a migré à côté de la salle des professeurs. Donc maintenant, elle a un autre bureau et on a récupéré cette salle pour en faire une salle de travail pour les éco-délégués. Donc, qui appartient au CDI. C'était important pour nous de l'associer avec ce lieu de vie des élèves puisqu'ils y vont tous. Et ils ont également un petit point information au sein du pôle documentaire où ils vont avoir de la documentation très spécifique. Donc, on va essayer de récolter des données auprès de la mairie, des offices de tourisme, parce qu'on a aussi le projet plus grand de l'agrandir pour vraiment s'adapter au contexte de la Seine-et-Marne, puisqu'on est en Seine-et-Marne. Donc moi, je vais vraiment intervenir sur comment on collecte une information, puisque je suis référente en éducation média et l'information. Là où ma collègue va avoir la partie scientifique, c'est aussi important d'associer différentes disciplines pour pouvoir... que chacun y mette sa spécialité, et pour la partie communication des éco-délégués. Donc ils vont avoir un blog dédié, etc. On a le grand projet aussi par rapport à ce projet de communiquer auprès des élèves sous forme de web radio. On va essayer de monter pour que l'ensemble de l'établissement puisse être au courant de ce qui se passe dans cette fameuse salle de projet qu'on a créée cette année. Alors on a plein d'idées. Voilà. Donc on est ravis de vos témoignages, de voir les difficultés que vous avez pu rencontrer. Ça nous aide beaucoup à anticiper. Donc, savoir prendre en avance le rendez-vous avec l'administration. Donc, merci aux élèves d'avoir été sincères, d'avoir dit ce qui ne marchait pas. Comme ça, nous, on va essayer d'aller encore plus loin et de vous rejoindre dans cette belle démarche du bilan carbone. Merci beaucoup. Merci. Donc, oui, une question. En tout cas, c'est très intéressant et c'est aussi un des objectifs de cette rencontre, c'est d'essayer de favoriser les bonnes pratiques entre établissements pilotes et établissements. Donc, vous pourrez réachanger par la suite. En tout cas, merci de nous avoir exprimé Alors, je crois qu'on va passer à la partie que tout le monde attend. Donc, je vais donner la parole. Non, pas tout de suite. Je vais d'abord introduire donc, les nouveautés. Pour les établissements pilotes, du coup, vous avez expérimenté PEBC via les ressources du kit pédagogique qui vous ont été mises à disposition via un dossier partagé. Et bien entendu, l'objectif, c'est que quelques ressources sont aussi disponibles sur nos sites internet respectifs du climat et de l'ABC. Mais bien sûr, on a travaillé tout au long de l'année pour pouvoir mettre à jour les ressources, notamment en profitant pour les établissements qui sont également
établissement Clixon, puisqu'on a proposé le projet PVC l'année dernière pour un projet européen qui a été accepté. Donc on va le déployer à l'échelle européenne. Et donc on a pu, grâce à ce projet, associer de nouvelles compétences avec des partenaires espagnols et italiens, notamment pour développer la partie médias, communication, aspect ludique des supports et du calculateur en ligne, bien sûr, pour ne plus être sur un tableur. Donc c'est toutes les nouveautés qui vont être mises à votre disposition très prochainement, dès début octobre. Donc on a mis à jour les contenus, donc ça c'est aussi une bonne chose pour les établissements pilotes, vous n'allez pas retrouver les mêmes slides et redonner à vos élèves, donc ça va être un nouveau format, un petit peu plus dynamique, avec un peu plus d'animation. Notamment pour des parties qui étaient peut-être un petit peu plus compliquées, parce qu'on a vu que la fresque a eu un grand succès, et donc c'est un peu l'objectif de pouvoir déployer des animations sur ce modèle. La partie pédagogie innovante, donc je pense notamment au message pour la partie stratégie de transition, c'est un petit peu compliqué. Vous allez pouvoir la réaliser à la fin de votre bilan, pour pouvoir profiter du bilan, des résultats, de l'analyse, et pouvoir le mettre en perspective avec les objectifs à l'échelle de la France, à l'échelle internationale, voire à l'échelle territoriale s'il y en a. Et donc vous aurez un nouveau site web à votre disposition. Il sera disponible en français, développé premièrement en anglais, mais il sera disponible en français, en italien et en espagnol. Donc, peut-être que pour ceux qui font des cours de langue, ce sera utile. En tout cas, vous l'aurez en français avec un calculateur en ligne cette fois. Donc bien sûr, on sera toujours à votre disposition sur la partie calculateur. On va essayer de renforcer la cohésion en plaçant dans l'année différents webinaires pour faire le point avec vous avant l'entrée, une fois à la fin de la sensibilisation, pendant la collecte des données, après le bilan, donc, juste avant l'analyse pour vérifier vos données, si c'est cohérent, etc. Et du coup, vous pourrez entrer vos résultats directement dans le calculateur qui, je pense, sera beaucoup plus facile à manipuler pour les élèves et pour les adultes, notamment pour les collégiens, parce que c'était aussi une difficulté pour les collégiens d'accéder à... En plus, c'était un Google Sheet, c'était pas du coup directement un document local, donc voilà, il y avait plusieurs petites manipulations à faire, mais c'était tout de même utile pour l'expérimentation, et on a pris en compte tout cela pour pouvoir vous mettre à disposition un calculateur flambant neuf. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Eddy Clima pour justement vous parler de ce fameux calculateur. Merci. Donc par rapport au calculateur, comme l'expliquait Joyatou, c'est un outil qui peut être développé grâce au financement du projet Erasmus. Donc pour l'instant, il est en cours de développement. C'est un de nos partenaires italiens qui s'occupe du développement du calculateur. Et il sera prêt normalement d'ici début 2022. C'est important pour nous qu'il soit prêt pour cette année d'expérimentation et c'est vraiment le but. C'est un outil qui permettra de rentrer les données collectées dans vos établissements afin de calculer plus facilement les postes d'émission de gaz à effet de serre. Il y aura une possibilité d'avoir deux interfaces avec un profil pour les professeurs et un profil pour les élèves. Le profil pour les professeurs sera plus complet avec des possibilités de modification ou de compléter les données. Également de faire des groupes de travail, des sessions de travail. Les profils élèves seront plus basiques, ce sera simplement pour compléter les données et ensuite valider pour que le calcul se fasse directement sur l'outil. Donc on a déjà un peu l'outil, il n'est pas développé, mais on sait à peu près à quoi il va ressembler. Donc ça, c'est des captures écran de ce que ça va donner. Donc chaque poste d'émission sera présenté sous cette forme et ça permet de manière assez visuelle, assez intuitive de compléter assez facilement le calculateur. Donc ici, par exemple, pour le poste d'émission de l'énergie, vous avez les combustibles. On peut choisir quel type de combustible, rentrer la donnée en kilowattheure et ce qui sera du coup assez simple à compléter. Et ce qu'on peut voir également, c'est qu'une fois que les données seront complétées, il y a deux possibilités, sauvegarder qui permet de revenir plus tard et de faire des modifications, ou valider qui permet de terminer
calcul. Et à la fin, ça donnera du coup un peu comme on l'a vu avec les camemberts précédemment. Du coup, c'est le calculateur, les résultats du calcul sous cette forme, avec toujours les différents postes d'émission qui permettent de voir très visuellement quels sont les postes les plus émetteurs. Et il y aura également des fonctionnalités qui permettent de filtrer par groupe, par sujet, en fonction de ce qui aura été au départ voulu par les professeurs, parce qu'il y aura possibilité de faire différents groupes d'élèves, par exemple, ou de sujets. Donc le calculateur, ça devrait être un outil plus simple, effectivement, à utiliser que le document Excel précédemment utilisé, et plus concret aussi, plus facile à manier, plus visuel. Et voilà, il devrait permettre autant aux professeurs qu'aux élèves de s'approprier les concepts des émissions carbone. Merci Carla. On va maintenant peut-être conclure, et je vais demander à Gaël de conclure, de dire le dernier mot. Donc pour conclure, comme on vous l'a dit du coup aujourd'hui, en 2020, on avait donc pour cette année d'expérimentation 3 collèges et 2 lycées. Et donc on a vu parmi les différents témoignages qu'il y a parfois eu des soucis avec le Covid, etc., que ça a pris du retard. Mais quand même, il y a eu quand même plusieurs établissements qui ont réalisé leur bilan carbone et qui peuvent se baser dessus pour lancer des actions concrètes. Donc en tout cas, nous, on est très satisfaits en fait de cette première année d'expérimentation. Et on est super content en fait de pouvoir redévelopper le projet cette année avec plus d'établissements encore du coup que l'année prochaine. Donc pour l'instant, on a 11 collèges et 12 lycées qui nous ont dit qu'ils souhaitaient participer, et on a d'autres qui sont en attente de confirmation. Donc surtout par exemple en ligne, il y a des collèges et des lycées qui sont intéressés pour participer, n'hésitez pas à nous contacter, parce qu'on recherche encore des participants, enfin on n'a pas de limite supérieure. Notre objectif, c'était d'avoir 20 collèges-lycées, donc qui est plutôt atteint, mais plus il y en a, mieux ce sera. Donc voilà, venez nous rejoindre pour faire partie de l'aventure projet établissement bas carbone, pour calculer l'empreinte carbone de votre établissement et mettre en place des plans d'action. Et donc... Et pour compléter les propos de Gaël, la prochaine étape, ce sera donc de revenir vers vous au mois d'octobre. On va fixer une date très prochainement, aux alentours mi-octobre environ. Je reviendrai vers vous tous la semaine prochaine, et pour venir soit dans les établissements qui sont en Ile-de-France, dans lesquels on peut se déplacer, sensibiliser donc les établissements, donc les enseignants, mais aussi le corps administratif. Et donc ça, c'est la prochaine étape, et je reviendrai vers vous au plus vite. Donc, prochaine slide, ce sont... N'hésitez pas à nous contacter. Sur ces deux mails-là, donc pebc@associationbilancarbone.fr ou alors pebc@avenirclimatique.org. Donc, on est très actifs, et n'hésitez surtout pas à nous poser des questions, on vous répondra le plus rapidement possible. Encore merci d'être venu, et bravo pour cette année qui s'est écoulée avec PEBC. Bon, on va maintenant passer un temps d'échange. Donc si vous avez des questions, il y a un micro qui peut circuler parmi vous. Et nous quatre, on se fera un plaisir de vous y répondre si vous avez des questions. Est-ce que en ligne, peut-être, il y a des questions qui se posent ? Pas encore ? Nous, on a une question. En fait, on se pose la question de savoir si, mais on n'a pas envie de le faire, hein. S'il faut qu'on recalcule le bilan carbone cette année, qu'on continue les calculs, parce que nous, notre idée, c'était plutôt de passer à l'action, et d'ici un an ou deux, éventuellement, refaire pour voir s'il y avait eu des effets. Mais les élèves, je crois, n'ont pas très envie de s'y recoller. Ben en soi, si, en vrai, c'était bien, mais on n'y voit pas l'utilité de le refaire pour nous une année d'affilée, parce qu'on s'est dit d'abord, on met en place tous nos projets, et après, on le recalcule pour voir si ça a eu un effet, ce qu'on a fait en fait. Voilà.
C'est vrai que pour les établissements pilotes, se pose la question de faire le recalcul. Donc la première chose à faire, c'est déjà, à l'issue de votre bilan, d'avoir identifié des postes peut-être pour lesquels les données n'étaient pas très fins. Donc c'est vrai que vous n'avez pas besoin forcément de le recalculer de la même manière, mais c'est plutôt un complément. Et vous allez probablement, c'est sûr, même passer moins de temps que l'année dernière sur la partie calcul. Et comme c'est la partie plan d'action a été une partie qui a été un petit peu malheureusement oubliée, enfin pas oubliée, mais manquée de temps en tout cas l'année dernière pour pouvoir la réaliser, vous allez probablement passer beaucoup plus de temps sur la partie plan d'action. Mais ce qu'on peut vous recommander, c'est de partir de l'analyse et d'identifier tout de suite, par exemple, sur la restauration ou sur la partie, bon, peut-être pas de déplacement parce que c'est très laborieux de compter la partie déplacement, mais par exemple les déchets en supplément sur la restauration, si vous n'avez pas réussi à les avoir, si vous pouvez les obtenir, mais vous allez passer certainement moins de temps que l'année dernière, ça c'est sûr. Et mettre à profit plutôt le temps sur la partie plan d'action. Le collègue, le micro est derrière, je crois. Oui, moi j'aimerais qu'on se rentre un peu dans les détails, qu'on vite la restauration est un point important. Ça signifie donc, peut-être les menus végétariens qui peuvent aider, mais quels sont les autres leviers? De même pour l'isolation, moi j'anticipe le résultat du bilan carbone dans le lycée, ça va être l'isolation qui va être le point à améliorer. Mais quel levier j'aurais pour aider à changer ça? Parce que c'est au niveau de la région, c'est pas compliqué. Je suis très intéressée par ce projet et on va le faire, mais j'ai quand même des doutes sur vraiment les plans d'action qu'on peut mettre en place derrière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de votre plan d'action, vous allez avoir différents types d'actions. Il y en aura trois en fait. Vous allez avoir des actions très rapides à mettre en place et qui ne vont pas vous coûter grand-chose. Ça peut être de l'ordre de la sensibilisation, etc. Des actions intermédiaires qui vont nécessiter des efforts de la part de tout le personnel. Donc, c'est peut-être une action de leur part. Et enfin, des actions de long terme, donc coûteux, avec des besoins financiers importants notamment. Et pour ça, du coup, ce n'est pas quelque chose que vous allez le mettre dans votre plan d'action, mais vous n'allez pas pouvoir le mettre en place dès 2023, par exemple. Et ce qu'on recommande aussi pour la partie plan d'action, donc je ne sais pas si c'est compatible avec ce qui a été développé de nouveau dans le Clixon, mais ça, on reviendra dessus. Mais en tout cas, l'année dernière, ce qu'on recommandait dans le guide de construction du plan d'action, c'est notamment pour les établissements pilotes, ça colle très bien à votre cas, c'est de se dire dès le début de l'année, bon, on va travailler à fond sur la partie plan d'action. Comment on va faire si la partie énergie, c'est un poste important, de pouvoir éventuellement faire intervenir quelqu'un, donc un spécialiste, un expert, quelqu'un de la région ou autre, pour pouvoir participer à l'action de concertation. Donc en fait, les actions, on pourra... c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de mettre en place les ateliers de concertation pour dire, bon, bah, le poste, c'est ça. Si on part sur de la rénovation tout de suite, ça va être à du long terme. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Est-ce qu'il y a des échanges à mener entre-temps? Donc c'est vraiment tout ce qui va ressortir des ateliers de concertation, d'où l'idée d'associer aussi des parties prenantes, externes, internes, pour pouvoir développer et mettre en place quelque chose de concret sur la partie énergie. Par exemple, à titre d'exemple, ce qu'a cité le collège Ferdinand Buisson, c'est de se dire, ok, on va peut-être diminuer de 1 ou 2 degrés le chauffage et mettre en place en attendant une friperie. Je me rappelle de l'intervention du principal qui disait que voilà, il fallait peut-être... faire intervenir un technicien, c'était pas si évident, etc. Donc ça, c'est des réflexions qui ont été menées en été. Et donc peut-être que la première action à mettre en septembre, c'est bah, contacter le technicien pour voir si c'est faisable, de quelle manière, qu'est-ce que ça va engendrer, etc. Donc la partie plan d'action, c'est pas si simple que ça. Donc on a des premières idées qu'on couche sur le papier, mais on a également des réflexions à mener et des discussions avec des parties prenantes si nécessaire. Une question derrière. Ah, juste, monsieur, bonjour, si vous pouvez vous présenter, parce que je crois qu'on ne vous a pas mis sur la liste, donc ça nous aidera pour la fin. Oui, effectivement, je suis enseignant dans un collège de Seine-Saint-Denis. J'avais trois questions, en fait. Je voulais savoir quelle était la méthodologie pour le calculateur. Est-ce que c'est la même que celle de l'ADEME, je crois, nos gestes communs, qui s'adresse à des particuliers? D'accord. Mais est-ce que c'est la même? Du coup, la méthodologie adaptée, c'est le bilan carbone. Donc, le bilan carbone qui a été anciennement développé par l'ADEME dans les années 2000 et cédé à l'association bilan carbone en 2011. Nos gestes climat, c'est de l'empreinte carbone personnelle. Là, on est sur une empreinte carbone collective d'un établissement, d'une organisation. Donc, les postes que vous allez retrouver des postes en commun, mais ce n'est pas à la même échelle. Là, c'est vraiment à l'échelle de l'organisation. Donc vous allez avoir des ordres de grandeur beaucoup plus importants parce que ce n'est pas pour une personne mais pour plusieurs personnes.
Et sinon, ça fonctionne, la comptabilité carbone fonctionne sur le même principe, c'est des données d'activité qu'on multiplie par des facteurs d'émission pour obtenir l'empreinte carbone. Oui, les données sont les mêmes, donc c'est la même. Je veux dire, si enfin, une même action aura un même impact, qu'on soit une collectivité ou un particulier. Oui, c'est surtout le volume qui va changer et les leviers d'action. D'accord. Voilà. Alors, ma deuxième question, c'était quel est le lien avec la fresque du climat? J'ai pas tout à fait compris. Alors, la fresque du climat, c'est l'organisation, enfin l'association Fresque du climat est une association qui fait partie du comité de suivi du projet établissement bas carbone, et ils ont développé une fresque enfant, donc qu'on a inclus nous dans notre projet et qui sert d'atelier d'animation pour sensibiliser les élèves. Alors on peut la faire très bien pour travailler sur la séquence climat, ou alors comme l'a fait le lycée Hélène Boucher pour sensibiliser à grande échelle et pouvoir constituer son équipe projet pour les élèves qui sont intéressés suite à l'animation de la fresque. Et voilà, en tout cas, il y a la fresque du climat qui existe à l'échelle des organisations, mais là on utilise une version enfant qu'ils ont développée, et ils sont aussi membres de notre cher comité. Alors j'ai une autre question, en fait, je voulais savoir si vous avez commencé à développer des supports et des outils à propos du rapport du GIEC qui est sorti en août dernier. Alors c'est une grande question. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a justement mis à jour nos supports et ils sont partis en traduction juste avant la sortie du rapport. Donc pour l'instant c'est pas intégré dedans, donc je crois qu'il était dit à extraire des informations pour mettre à jour les données du quiz qui pour introduire le l'événement. Mais oui, on attendait, mais on a envoyé tous les documents en traduction juste avant, parce qu'on a travaillé en anglais dans le cadre du projet européen et ils sont réitérés. Donc c'est des choses, on a déjà identifié quelque chose, quelques éléments qu'on pourra utiliser pour la mise à jour l'été prochain. J'avais une dernière question, j'ai bientôt fini. Je voulais savoir si, enfin, notre collège est déjà engagé dans un travail avec l'association Eco-Collège. Est-ce que ça peut être fait conjointement, en parallèle, ou est-ce que c'est exclusif? Non, on a des établissements qui se sont lancés dans des projets pour une certification au 3D, ou qui ont participé également à PVC. En plus, vous pouvez utiliser l'un pour valoriser l'autre. Donc, après, ça dépend de vous, du temps que vous allez allouer au projet, de votre disponibilité, peut-être s'il y a d'autres professeurs référents, est-ce que c'est le même groupe d'élèves qu'on utilise ou pas. Enfin, c'est plutôt des questions d'organisation, mais ce n'est pas incompatible de mener un projet PEBC, un projet Coeco. Merci beaucoup. Je vous en prie. Justement, quel temps vous consacrez à ce projet? À PEBC? Alors, nous, ce qu'on avait recommandé, c'était de 3 à 7 heures pour la partie sensibilisation. Donc, ça dépend si vous faites tous les modules ou pas. Donc, visiblement, pour les lycées d'expérience, il y a eu un petit peu moins de modules de réaliser. Et pour la partie collègue, bah, en gros, ça s'étale à peu près sur 3 mois, voire un peu plus, on n'espère pas, en fonction du retour, parce qu'il y a des temps de latence. Donc, vous allez demander, vous allez attendre avant de recevoir les données. Mais plus. Plus le personnel est sensibilisé, plus ils sont peut-être plus enclins à vous fournir des données et plus vous pouvez les obtenir tôt. Après, vous, dans votre cas, là, vous allez certainement passer moins de temps parce que le premier exercice, c'est toujours le plus compliqué. Mais pour... Moi, non, pour le lycée, vous avez fait le bilan? Ben, vous avez le lycée Hélène Boucher? Non. Ah, pardon, je pensais que vous étiez du lycée. Excusez-moi. D'accord, excusez-moi. Donc oui, pour un premier établissement, donc si vous êtes un collège ou un lycée, est-ce que vous allez allouer 3 heures ou 7 heures pour faire la partie sensibilisation? Donc ce qu'on appelle la partie sensibilisation, c'est va expliquer qu'est-ce que c'est que l'énergie, quel lien avec le changement climatique, pourquoi est-ce que ce sont les activités humaines qui font augmenter la concentration de CO2. Ensuite, la comptabilité carbone, comment on fait la comptabilité carbone, comment on compte le carbone. Et enfin, on lance dans la partie collecte. Donc peut-être que, je ne sais pas, pour les établissements qui l'ont mis en place, si vous arrivez à estimer, peut-être Sophie, est-ce que vous avez une estimation, parce que vous avez eu des heures d'IMP peut-être plus précis, pour voir le nombre d'heures totales que ça a pris? C'est compliqué, moi je trouve. Ils se sont engagés beaucoup là-dessus. Je leur ai demandé beaucoup à distance aussi. L'heure ne suffisait pas.
Et je crois que des fois, je les ai bien saoulés avec mes messages. Mais c'était difficile de faire autre chose. Après, on a deux, trois autres projets, mais c'est vraiment mineur par rapport à ça, qui était un gros bloc. Vraiment, c'était notre préoccupation principale. Et moi, après, j'étais toute seule, j'étais peut-être pas aussi efficace. Si on avait été deux ou trois, je pense qu'on aurait fait d'autres choses, les choses autrement. Et la difficulté, je vous entendais dire que vous alliez avoir différents élèves, parce que le créneau du midi, effectivement, c'est compliqué, ils n'ont pas une heure en commun tous ensemble. Donc moi, j'avais fait jeudi soir 17h à 18h, quand vraiment tout le monde est déchargé de cours. En fait, ce qui était compliqué, c'est que j'avais des élèves qui ne venaient pas forcément toutes les semaines et qui venaient une semaine sur deux et des choses comme ça. C'est difficile de mobiliser, ou alors vraiment bien définir ce qui se passe le mardi et ce qui se passe le jeudi avec tel groupe et tel groupe. Parce que, oui, il faut des choses différentes, des pôles différents, et il ne faut pas rappeler à chaque fois ce qui s'est passé, où on en est, qu'est-ce qui reste à faire, etc. Donc, cette année, j'ai exigé que la présence soit obligatoire, que je note les présents comme en classe, et que ils n'ont pas d'activité à 17h45 qui fait qu'ils partent à 17h30. Enfin voilà, donc c'est présence obligatoire, une heure par semaine. Voilà. Et puis. Une heure par semaine, moi je veux faire une heure pour 4 jours. Mais moi j'ai l'impression que mes élèves vont trouver ça peut-être, ennuyeux de passer son temps à aller collecter les données. C'est les risques, c'est ça aussi qui a fait que des fois je les ai perdus un peu. Mais en fait, on a aussi le projet Web Radio, Studio Média, etc. Donc, je les ai lancés aussi en parallèle sur la réalisation de podcasts. Après, ça les amusait quand même d'aller dans les salles, compter les ordis, les machins, etc. Ça, c'était quand même super motivant. Ce qui était un peu laborieux, c'était l'élaboration des questionnaires. C'était un peu scolaire. Il fallait vraiment réfléchir aux questions qu'on allait poser pour ne pas déranger 15 fois l'administration. Donc il fallait faire vraiment un questionnaire exhaustif. Et ça, c'était un peu long. On n'a pas en ressources finalement à via vos traits. Mais en fait, ça serait dommage. On en avait parlé. On s'est questionné, savoir est-ce qu'on vous donne les questionnaires, etc. C'est dommage parce que c'est une grosse réalisation de leur part et c'est une grosse réflexion. Et du coup, de leur donner les choses toutes faites, finalement, c'est un peu dommage, il y a moins de réflexion de leur part. Là, on peut avoir pour là-dessus, ne pas oublier les trucs juste pour nous. Voilà, pour vous, évidemment, parce que j'aurais été rassurée d'avoir. Moi, je me suis mise à faire des questionnaires juste parce que je me suis dit que c'était utile. Mais c'est vrai que si j'avais eu un exemple de questionnaire, j'aurais été plus confortée dans mes prises de décision. Et du coup, évidemment, on peut transmettre ces questionnaires pour que vous ayez. Mais après, il ne faut pas les donner clé en main aux élèves. Après, on voit tout dans le calculateur. Oui, pour les questionnaires, ce qu'on avait fait, c'était des templates. Donc, c'était une version 1, qui a été quelquefois améliorée parce qu'on n'avait pas pris en compte, par exemple, de compter des données pensionnaires ou des externes. Donc, ces templates ont été revus pour cette année. Donc, également, dans les ressources, il y aura des nouveaux questionnaires. Effectivement, il y a deux approches. Est-ce qu'on utilise le questionnaire tel quel? Alors, ça peut être une possibilité si on ne veut pas allouer beaucoup de temps. Ce qui a été fait souvent, c'était d'abord laisser les élèves faire leurs propres propositions et se servir un petit peu des templates comme une correction ou comme un complément pour ne pas oublier quelque chose, l'unité, etc. Mais c'est quand même une ressource qui est fournie. Et j'ai pas dit tout à l'heure, mais quand même, soyez sûrs, enfin moi je dis que j'étais tout seule et tout, mais en fait j'étais jamais seule parce qu'il y a quand même toute l'équipe qui est vraiment derrière nous. Sur Slack, c'est un super outil d'échange et du coup on pose une question, on a une réponse dans la journée, c'est sûr. Et du coup, en fait on n'est jamais seule parce qu'il y a vraiment une équipe très solide et très performante derrière. Et ça c'est très rassurant en fait quand on se lance dans un projet comme ça, de se dire qu'il y a des professionnels à côté de nous quoi. Et voilà, pour les facteurs d'émission, des fois on avait certains doutes, pour les questionnaires, pour la mobilité on en a parlé, mais c'est pas évident de faire en un coup le bon questionnaire qui va être facile avec les collectes, facile à faire, etc. Donc, on a dû faire 3 questionnaires déplacement au final, embêter les élèves 3 fois, parce que non, finalement, on va plutôt faire comme ça, etc. Mais du coup, pour vous, on peut vous dire la version finale des questionnaires.
finalement, dans quoi on a été, au final, qu'est-ce qui a marché. Ça peut vous simplifier la tâche grandement, c'est sûr. Vous êtes passé par l'ENP pour mettre le questionnaire Au début, on a fait des pads via l'ENT. Et puis après, avoir des pôles sur Slack, c'était mieux. Et, mais oui, sinon, on a fait un Google Doc, finalement. C'est moins écolo, mais on allait sur Google Doc. C'était plus simple. Oui, monsieur. Je voulais savoir, en fait, est-ce que Slack est conforme à la politique RGPD ou pas? Alors, en fait, on ne met pas vraiment de photos sur Slack. Et les données, on s'était renseigné, on n'avait pas eu la réponse, je crois. Hein, oui, alors, pour Slack. Nous, pour Slack, c'est vrai qu'on l'avait utilisé pour les établissements pilotes. Finalement, ça, c'est plutôt. En plus, on l'a installé assez tard, mais on est absolument. Enfin, je crois que c'était en janvier qu'on l'a installé, et pas pendant la première phase. Mais on avait absolument besoin d'un moyen de communication quand on s'est rendu compte qu'on allait rester longtemps à distance. Et du coup, cette année, on est en train de réfléchir à un format plus compatible, parce que finalement, il y a la possibilité pour les élèves, en tout cas, d'interagir entre eux sans que nous on sache, parce que c'est quand même une messagerie directe. Et donc là, on est en train d'évaluer d'autres outils pour pouvoir mettre en place un outil de communication plus adapté. Par rapport à ça, je peux rebondir un petit peu sur l'outil de communication, parce que via le projet européen, on va sûrement utiliser la plateforme eTwinning, qui est une plateforme qui permet normalement de rechercher des établissements partenaires quand on veut débuter un projet européen, ou pas forcément débuter un projet européen, mais chercher des établissements qui aimeraient faire un projet de la même nature que le nôtre partout en Europe, en fait. Donc ça a été financé par le financement Erasmus. Et eTwinning, du coup, c'est utilisé par Erasmus, et c'est même encouragé en fait pour les établissements de passer par eTwinning, parce que c'est une plateforme qui permet à la fois aux professeurs et aux élèves d'échanger, de mettre des photos, de mettre essais sécurisés, parce que c'est une plateforme utilisée dans les 28 pays de l'Union européenne. Par rapport à Slack, je pense que c'est moins évolué, parce que Slack va plus ressembler à Discord, où il y a la possibilité de faire plusieurs canaux. Sur eTwinning aussi, mais c'est plus basique quand même. Mais pour les communications entre établissements et entre élèves, c'est très pratique, et ça pourrait aussi permettre à terme de communiquer, pourquoi pas, avec les établissements partenaires, donc les établissements en Italie et en Espagne. Après, il faudra pouvoir communiquer en langue, soit en anglais, soit... Bon, ça, c'est quelque chose qui peut être réfléchi plus tard, mais ça peut être aussi intéressant d'échanger avec eux sur leur retour dans ces pays-là, sur l'expérience. Peut-être une dernière question ? Se voir, c'est parce que chacun de son côté avait compris qu'il devait servir à quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que ce qui permet justement quand on se voit pas, vous avez besoin, je pense qu'avec les collégiens, il faut peut-être plus, les suivre, mais du coup, nous, on avait fait notre première réunion, on avait fait nos groupes avec l'explication de notre plusieurs DSVD, etc. Et après, voilà, on s'est limité une fois par mois, où il y avait un mois ou un mois et demi qui passait sans nous voir. Et du coup, nous, on était allés voir, par exemple, notre entendement ou
on avait les questionnaires, on savait comment faire, on se voyait si on avait des problèmes, on pouvait parler à nos professeurs pendant les cours aussi. Et justement, le fait qu'on ne se voit pas, par exemple, une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, ça a enlevé, enfin, ça nous permet justement de pouvoir penser un peu aux enlevés collés, comme vous avez parlé, qui peut être un peu enlevé de parler souvent de chiffres, etc. Sinon, c'est que bah, quand on ne sait pas, voilà, toutes les semaines, ça nous laisse un peu le temps du coup, de nous organiser un peu. Bah, moi personnellement c'est la fresque qu'on a fait avant, enfin, du coup moi je l'ai fait quand j'étais en seconde et j'ai vu la fresque et bah, ça m'a vraiment fait prendre compte de la situation et juste après on nous a proposé bah, du coup pour notre lycée de faire ça et du coup bah, je me suis directement inscrite puis après aussi bah, comme dans notre lycée on a Clean Action, on l'a vraiment du coup, enfin on l'a fait du coup le 2EC en parallèle avec nos actions Clean Action et justement le fait qu'on ne se voyait pas pendant un mois et demi ça nous permettait de faire plusieurs actions. Et la fresque, elle a été faite dans quel On nous a envoyé un mail à tous les éco-délégués et à toutes les personnes de Clean Action. Enfin, après, souvent les éco-délégués, c'est dans son action, ils disaient un peu de suivi, venez. Et c'était 2 heures, enfin, du coup. On a été contactés, on a dit, du coup, nous, on a pris le relais, parce qu'il est parti à la retraite. On va vouloir se lancer dans le projet et on voulait essayer de sensibiliser un maximum d'élèves. On ne savait pas trop comment faire et moi j'avais connaissance de cette fresque du climat et du coup j'en ai parlé avec des collègues qui se sont dit bah oui c'est super. Et du coup on a contacté Gaël, l'association, pour qu'ils viennent animer et on a lancé le projet comme ça, c'est-à-dire qu'on a demandé aux éco-délégués de venir, on les a obligés je crois, et puis aux élèves de Climaction et puis les élèves volontaires. Ils sont venus un soir pour faire cette fresque. On avait l'association Gaël qui sont bien les animateurs. Et du coup, les élèves ont fait cette fresque. Par côté vous, c'est le petit film que vous avez vu tout à l'heure, qui a en fait lancé le projet de fresque. C'est vrai qu'il y a plusieurs moyens de présenter le projet aux élèves. Donc, c'est vrai que, pardon, on a notamment le lycée Hélène Boucher qui est un lycée Clixon. Donc, c'est vrai que là, tout ce que je vous ai annoncé sur la réalisation du bilan, etc., c'est valable pour PEBC, mais pour Clixon, vous allez avoir d'autres objectifs, puisque c'est un engagement sur le projet européen sur 3 ans. Donc je pense que vous allez être obligé d'utiliser le calculateur, notamment pour votre bilan, même si vous allez avoir des données beaucoup plus de manière beaucoup plus rapide, en tout cas que l'année dernière, mais il y a des spécificités liées à Clixon. Ça, c'est la parenthèse Erasmus+. Et pour présenter le projet, donc il y a soit voilà, il y a l'animation, il y a peut-être le fait de présenter avec une personne externe. Au niveau de l'association Avenir Climatique, c'est vrai que la semaine prochaine, je crois au début octobre, il y a une intervention dans un collège. Donc, ils vont profiter pour présenter également le projet. Peut-être que c'est une personne externe qui vient de le proposer, ça donne aussi un petit peu plus d'entrain. Soit il y a des clubs qui sont déjà mis en place, il y a des fois des établissements qui ont déjà spontanément, de leur volonté, essayé de calculer le bilan. Et du coup, le fait de savoir que ce projet existe, ça permet peut-être de plus le cadrer, de bénéficier des ressources également. Aujourd'hui en tout cas l'événement est en ligne et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont réutiliser les parties pour notamment les témoignages des élèves pour pouvoir les présenter aux élèves de leur établissement pour voir s'il y a aussi un entrain à rejoindre le projet. Moi du coup en fait c'était pour compléter ce que disait Sophie Lequin parce que du coup c'est vrai qu'il y a plusieurs associations et donc en fait Avenir Climatique donc, fait partie le projet et du climat. On avait fait appel à l'association La Fresque du Climat pour venir au lycée Hélène Boucher. Donc en fait, on a fait intervenir des gens directement de l'association La Fresque du Climat en les contactant. Donc ça peut se voir. Enfin, c'est pas directement nous avec notre association parce qu'en fait, on n'est pas assez nombreux. Donc il y avait quelques-uns de notre association, mais surtout aussi beaucoup de bénévoles de La Fresque du Climat. Et donc ça peut se voir en les contactant directement. On relaie à cette association s'ils peuvent venir pour une intervention. Non, c'était. Nous, on avait fait ça en 2 heures, mais c'est mieux que 3 heures si possible. Mais donc, voilà, on n'avait pas pu avoir plus parce que contrainte d'emploi du temps. Mais l'idéal, c'est 3 heures pour avoir moins le temps de discuter. Pour les gens à distance, on n'entend pas. Si vous pouvez. Merci. Dire que la fresque du climat, c'est possible à faire avec des crayons,
Velleda et les tableaux blancs plutôt que des feuilles blanches. Pour bilan carbone, ça peut compter. c'est comme je me suis dit, c'est peut-être pas très bilan carbone. Ah ouais, mais ils sont quand même très contents à côté de moi. On peut le dire en personne physique, quand on avait des élèves de présence, c'était pas très logique quand même dans notre idée. Mais ils ont fait la fresque sur tableau blanc. D'accord. Anthony, si on n'a pas d'autres questions, je propose. Non. Donc je vous propose de clôturer pour aujourd'hui et vous remercier encore une fois vraiment chaleureusement d'être venu. Je vais te demander à Gaël et Joël de venir nous rejoindre. Et merci à tous et félicitations à tous et en particulier aux élèves qui ont travaillé durement pendant un an. Et on est à votre disposition, peut-être je vais vous remettre les mails. N'hésitez pas à nous écrire quand vous voulez. On reste encore quelques minutes, peut-être 20-30 minutes avec vous si vous souhaitez, pour venir pour discuter de face à face. Et merci pour aujourd'hui, merci d'être venu, notamment pour ceux qui ne sont pas à Paris, qui habitent loin. Et on vous espère nombreux pour cette année. À bientôt. Merci. Merci.